Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bah, il va pas du tout y avoir de cohérence dans cet épisode. C'est-à-dire que ce début-là, que vous voyez actuellement, est en fait, apparu à peu près à la moitié de la vidéo. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que mon micro n'enregistrait pas. Donc voilà les amis, donc petit épisode, vous allez voir, c'est le début est un petit peu, silencieux, on va dire. Et la suite va retrouver un petit peu de voix. Voilà, salut les gens, tout de suite.
Wouhou, c'est cool, je viens de voir que mon micro n'enregistrait pas, chers amis. Bon, ben on va se redémerder comme ça, c'est pas grave. Bon, bah, bienvenue dans cet épisode de Starbound. Voilà. C'est cool. Bon. Bah, au moins, on va y arriver. Bah, je vais faire une petite vidéo juste avant, chers amis. Un instant. Je fais le con en plus. C'est là qu'il faut que je coupe. Voilà, re, chers amis. Donc, on va y arriver. Pouh, c'est compliqué. Alors, on va descendre sur cette planète de type glace toujours. Alors, oh bah dis donc, on tombe sur un coffre. C'est cool, ça. Ça, c'était pas prévu. Avec 27 trucs dedans, mais c'est génial. Hop. Alors, à l'emplacement de ce coffre, on va mettre le fameux Distress Beacon. Je suis intrigué. Je ne peux pas, en fait, le... Non, rien du tout. Bon, bah je le récupère alors. Je ne peux pas en fait le 3D printer, c'est très bizarre. Alors. Pourtant, je pense pas m'être trompé. Non, je mets sur la quatrième. Oui, c'est parfait. Alors. Oui, c'est bon. Oh, je suis empoisonné, vous êtes sérieux? C'est bon, on est sur la bonne, chers amis, ne vous inquiétez pas. Donc, en haut, vous pouvez retrouver la treasure map. C'est un boss, ça, non? Ah non, je crois que c'était un boss. Ici, on a un glitch qui nous vend des choses. Mais on n'a pas ce qu'il faut pour lui acheter. Ça, il nous la prend combien? 80, mais non, c'est pas cher. Ça, 20, c'est pas cher non plus. Ça, 14. Bah tiens, prends-le. Écoute. Je te fais ta journée. Bon, bah c'est pas grave, on n'aura pas la fameuse armure qu'il a. Et en plus, on se fait agresser. Non, mais voilà autre chose. Alors. Hop les. Un château glitch. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Hop. T'as une belle épée, mon ami. Non. Putain. Salaud. Je vais t'avoir. On redescend. On y va. De toute façon, il est mourant, chers amis. Hop. On y va, on progresse. Vous savez quoi, on va même y aller à fond. Hop. Alors là, je remets en normal parce qu'on risque de tomber dessus. Comme il est sorti du château. Voilà. Alors, je voulais avoir ta couronne, mais apparemment, je n'y ai pas droit. Ok, c'est même pas l'arme qu'il avait sur lui. Le Saint Graal. Dis donc. Royal Calice. Aïe. Bon. Soyons sérieux, chers amis. Les trucs dont je n'ai pas l'utilité. Attends, en tout cas, apparemment plus, pardon, je vais y arriver. Mais par contre, j'aimerais bien récupérer. J'ai plein de sacs normalement. Là.
Ah, c'est long. Wouhou! Ça va faire mal. Oh, ça va, ça va. Alors, a pas fait tant de dégâts que ça. Wouhou, une épée légendaire. Alors. Ah non, je crois qu'il y avait une espèce d'objet bizarre, mais en fait non, c'est juste un pack de neige au-dessus de... D'accord. Par contre là, ça m'intrigue. Où est supposé être ce Golden Ducky? Plus loin sur la droite. Dans un Avian Temple. C'est marrant, j'en ai jamais vu dans un Avian Temple, moi. Hop! Quoique, peut-être que si. Ce qui veut dire qu'en fait, là où il y avait le Moon Emblem, j'aurais peut-être dû chercher, en fait. Raté. L'attaque laser glace a échoué, lamentablement. Alors. Peu de pixels, c'est toujours bon. Oh! Oh, je suis déjà full! Ah oui, je suis full. Oh merde. Bah, je vais virer ça déjà, pour commencer. Ensuite, ça, ça va aller ailleurs. Ça va aller genre là. Ça, ça va aller avec. Ça aussi. La carotte aussi. Le charbon, il tout. Et le chapeau, c'est bon. Alors. Toujours à la recherche du Golden Ducky, chers amis. Je commence à avoir quelques doutes, hein. Je l'avoue. Donc je vous rappelle que toutes ces coordonnées, vous pouvez les retrouver donc sur ma chaîne en passage. Mais aussi sur le site, surtout starboundmap.com. Ah. Ah bah le voilà. Le fameux temple. Bla. Oh, il est joli ce pistolet. Beef cannon. Tant que c'est pas le beef le cannon, chers amis. Je dois en avoir un petit peu sur moi en plus. Bon, je m'attendais à faire un peu plus, mais bon. Wouhou! Ok, bon, je pense qu'on s'en est sorti plutôt bien. Fou. Ça fait quand même drôlement mal. Hein. Bon, il n'y a plus qu'à trouver où sont les Golden Ducky. Ou le Golden Ducky. D'accord. Alors, croisons les doigts. Ouh, c'est que je me fais agresser. C'est que je me fais agresser des deux côtés en plus. Je l'ai vu. Il est là. On a le Golden Ducky, chers amis. C'est l'heure de la fuite. Non. Oh putain. C'est pas passé loin. Non, c'est faux. Pas m'avoir de là. Non. Hop, fuite. Bon. Eh ben, on la rush, ce Golden Ducky, hein, tant bien que mal. Alors, bon. On va le 3D printer. On a déjà récupéré tant de fric que ça. Putain, c'est violent. On le 3D print, tout comme on... Alors, je vais voir si on peut 3D printer ceci. Non. Bah non, forcément. Bon, bah, du coup, on va 3D printer ça. On va 3D printer ça. Ça. Ah bon? Je peux pas. Là, ça, je peux. Regardez, celui-là, je peux pas non plus, vous voyez. Donc, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Alors, on va reprendre quand même un Golden.
Hop. Et nous, on va se laisser là pour cet épisode, les amis. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.